Donc après, je me mets à positionner l'endroit où vont se situer les yeux et évidemment le nez dans la position qui permettra d'avoir les trois éléments, les oreilles d'un côté, les yeux et le nez bien sûr. Ensuite, les sourcils, eyebrows. Et ensuite, je définis la position de la bouche. Et bien sûr, ensuite, je définis les traits caractéristiques des personnages, puisque bien sûr, entre les différents héros, notamment quand il s'agit de super-héros, ont des traits de visage différents, l'épaisseur du nez, taille des yeux, etc. Et voilà, et donc c'est réellement de cette manière-là que je commence à dessiner chacun des visages que je fais. Et moi je vais lui demander aussi, est-ce que dans la position de la bouche, par exemple, et des yeux, il pense déjà au type d'expression. So I think my question is,